Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler principalement de mes couteaux Spyderco. J'en possède 8 dans ma collection et je vais vous présenter mes 3 favoris. Donc ce sera l'Ika 4, le Sage 1 et le Paramilitary 2. Alors on va commencer par le Delica 4. Donc c'est un excellent petit couteau destiné simplement pour la vie de le jour, c'est-à-dire manger. Enfin moi je l'utilise pour manger quoi. Je vais pas faire je vais pas couper des arbres avec, hein, on est d'accord, parce que la lame est vraiment très très fine. Donc voilà, c'est vraiment à utilisation quotidienne, donc pour manger, ouvrir des lettres, des trucs comme ça. Donc là ici on a une lame de 2 mm d'épaisseur avec un système à pompe lockback. Un grip en FRN et des liners à l'interne avec un acier VG10. Donc voilà, je pense que tout le monde le connaît, hein, celui-là, hein, voilà, les clips 4 positions possibles, inox également. Donc voilà, donc un bon petit couteau pour la vie de tous les jours, le Delica 4. Donc on passe au Sage, donc le Sage 1, parce qu'il y a, je crois qu'il y a 4 versions ou 3 versions, je sais plus, du Sage. Donc moi je possède le Sage 1 avec une plaquette, une superbe plaquette, donc vraiment classe quoi, en fibre de carbone, voilà, avec une émouture plate également comme le Delica 4, avec un clip épingle, type épingle, avec 3 mm d'épaisseur au niveau de la lame, acier CPM S30V, donc très très bon acier. Voilà, avec celui-là je pense qu'on peut faire plus de choses, voilà. Donc la taille de la lame, la longueur de la lame est assez courte, donc pour manger, les utilisations quotidiennes, ça marche, comme le Delica 4. Et le truc c'est que la lame est épaisse, donc la lame fait 3 mm d'épaisseur, donc plus polyvalent pour certaines tâches un petit peu plus costaud. Donc voilà, mais ça reste un très très bon, franchement le couteau il est quand même super classe, donc quand vous sortez au resto avec ça, voilà quoi, ça reste quand même classieux, ça fait pas trop militaire quoi. Voilà, avec la plaquette en fibre de carbone, c'est vraiment génial, et un acier excellent d'ailleurs. Voilà, donc système liner lock, j'ai pas précisé, voilà, avec une position du doigt à l'avant comme ceci, voilà, donc très 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 bon couteau, voilà. Mon préféré de tous, le Paramilitary 2, donc c'est un excellent couteau, je l'adore, voilà, tout simplement. Ultra polyvalent parce qu'il a une lame de 4 mm d'épaisseur, des plaquettes G10 avec des inserts en inox, compression lock, donc un liner lock à l'arrière du couteau, donc ce qui est plutôt pratique quand on ne veut pas mettre les doigts devant. Voilà, clip inox, là c'est une version sprint run, donc avec les plaquettes G10 marron. Voilà, donc émouture plate, une superbe lame, c'est fait aux USA, CPM S35VN, donc un super acier, franchement, il claque quoi, voilà, dans tous les sens du terme. 4 positions possibles au niveau du clip, le trou pour la Dragon, enfin bref, un super couteau, franchement, voilà, ultra polyvalent, il fait un petit peu militaire, il n'est pas aussi classe que le Sage 1, mais franchement, moi, c'est, je pense que, même sans compter la collection Spyderco, je pense que c'est même mon couteau préféré de toute ma collection de couteaux pliants que je possède dans la vitrine. C'est vraiment un excellent rapport qualité-prix, enfin, après, ça dépend du budget de chacun, mais franchement, là, vous en avez pour votre argent. Franchement, en plus, ça, c'est un modèle qui reste je crois qu'il n'existe plus. Je sais pas, qui est en rupture de stock, peut-être. Donc, pour le trouver, ça va être un peu chaud. Mais bon, peut-être que, je sais pas, peut-être un petit peu fouiller sur la toile. Voilà, mais je sais que les versions plus classiques, donc avec l'acier S30V et les plaquettes noires, voilà, sont disponibles sur nos revendeurs français. Excellent couteau et... Franchement, j'ai rien à dire sur ce couteau-là. Vraiment, c'est un super couteau. Je l'adore. Paramilitary 2 de chez Spyderco. Donc voilà, on termine sur ça. Voilà les 3 couteaux qui font partie de mes favoris dans les couteaux Spyderco. Le Paramilitary 2, le Delica 4 et le Sage 1. Si vous voulez des couteaux qui sont fiables, costauds, avec des bons aciers, une construction mais de malade, un truc de fou. Bon, après le prix est peut-être onéreux pour certains, ça dépend du budget de chacun, mais franchement, si vous avez un vaut mieux acheter un couteau un peu cher, de bonne qualité, que d'en acheter 10 que c'est de la merde quoi. Voilà, en gros c'est ça. Moi je préfère, moi c'est ma vision des choses, après chacun fait comme il veut, hein, bien sûr. Voilà, donc c'est très très bon couteau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, on se dit à la prochaine, ciao.